Comme il y avait la voix hier, je l'ai pas fait hier. Fait qu'on le fait aujourd'hui. Dans le confort de notre foyer, tranquille. Avec le foyer, je l'ai allumé pour vous autres. Vous êtes chanceux. Puis c'est ça. Fait que. Ok, bon. On va se faire allô, Karine. On se fait une coupe de tonnes. Je vous avais dit que je vous ferais ça. Ce sera pas long, je vais juste ajuster mon son juste pour être sûr, parce qu'on est sur live sur Twitch aussi. Ouais. Je veux juste voir si ma guitare sonne trop fort, whatever. Fait qu'on vous a préparé une coupe de tunes. Je suis contente que vous soyez là. Ça me semble donc qu'on t'entend pas, par exemple. Qu'on m'entend pas? Mais les autres, ils m'entendent sur Facebook. C'est peut-être sur ton... De toute façon... Après, si vous m'entendez en différé, c'est parce que c'est aussi en diffusion sur Twitch. On vous a préparé une coupe de tunes. Écoute, let's go. On ne s'est pas vraiment pratiqué tant. Je vais tout me tromper. C'est pas grave. On a juste ça à faire, s'écouter en live sur les réseaux sociaux. Je vous suis, je vous regarde. Je salut vous Julien. Soyez, ça va? Soyez sûr qu'on pense à vous. Salut Alex. Mon puis... monde de Twitch arrive là. On vous entend bien. Salut Simon. Tu dis bonjour à tout le monde là. Ouais, je pense bien. On va commencer avec... j'ai préparé, en tout cas, j'ai choisi une couple de tunes. Je me suis dit, des tunes que je fais pas souvent, des affaires que j'aime faire, je savais pas trop quoi faire. J'ai dit, tiens, je vais leur faire des tunes que j'aime. On va commencer ça avec une petite tune de Melissa Etheridge, tiens, parce que je l'aime beaucoup. Je vais juste m'éloigner un petit peu de vous autres, parce que j'ai comme une voix qui porte, et j'ai pas envie de vous rendre toute sourde. Une voix qui porte? Non. Fait que... Hey, c'est plein de monde, c'est donc bien cool. Allô tout le monde. Là, c'est drôle, on va se tromper. Salut Hubert, comment ça va? On va se tromper, c'est sûr, c'est pas grave. Amusez-vous, chantez avec nous autres, on est là pour ça. Puis si ça peut vous changer d'idée en ce beau lundi soir, ben tant mieux, tant mieux. OK. Go! Ça va bien? Déjà là, une erreur. OK. Un, deux, prêt? Trois, garou. Come to my crawling
merci. Hey, allô tout le monde, à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. La prochaine chanson, c'est une chanson qui était... vous savez... Salut, Star Spy. Vous savez, j'ai perdu un de mes meilleurs amis. Cici n'est pas mon meilleur ami. Dans la tragédie de Mégantic. Puis, quand il arrive des... Quand il arrive des drames ou des situations comme on vit actuellement, ça fait du bien. Ça fait du bien de se rappeler nos amis, de se rappeler, puis de leur demander, tu sais, de nous aider en quelque part, tu sais. Puis, cette chanson-là, c'était la chanson que mon ami Guy Bolduc me demandait à chaque fois qu'il faisait un show. Il me disait, « Hey Annie, viens, viens, on va chanter, on va la chanter. » Personne, tu sais, c'était dans les bars, il y avait plein de monde, tout le monde était croche. Puis, c'était pas une toune en demande spéciale, mais c'était sa demande spéciale à lui. Puis, ben, à chaque fois, je la chantais avec lui. Puis, lui, il trippait. Puis, Guy, c'était un tripeux. Puis, tu sais, hein, il trippait, Guy Bolduc. Il était juste heureux, il était juste content. Puis, il me demandait tout le temps ça. Puis, je la chantais avec lui. Puis, même si personne n'écoutait, ben, nous autres, on écoutait. Fait que ça, c'est pour mon ami Guy. Puis, Guy, aide-nous donc d'en haut, tu sais. It's not a cross, it is a choice. I can't.
désolé pour les quelques fois. C'est toujours dur de rechanter cette chanson-là. Je voulais chanter aujourd'hui parce que je me disais, si je demande à Guy là, que ça aille bien, ben, il va s'arranger pour qu'on aille bien, c'est sûr. Petit Guy, ouais. Une autre chanson que je voulais faire. Hey, merci pour les cœurs. Vous êtes tellement fins. Merci d'être là. C'est le fun. Ça nous fait du bien, nous autres aussi, d'être là pour vous autres. Ça nous fait du bien de faire de la musique. Chantez, vous autres aussi. J'en ai plein des chanteurs dans mon Facebook. J'ai plein merci, d'élèves qui Hubert, chantent. Merci, Julien. Puis j'ai plein d'élèves qui chantent. Chantez, vous autres aussi. Faites ça. Faites des lives. Montrez-nous. On veut vous voir. La prochaine chanson, c'est une chanson que j'aime beaucoup chanter. Puis je dis ça, je vais me tromper, c'est sûr. Mais c'est une chanson d'Adèle. Je l'ai déjà faite en spectacle, celle-là, avec ma gang, qui était à l'époque des premiers ateliers du Carrefour familial. J'avais fait ça. Puis c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est une chanson qui nous rappelle des souvenirs. Chanson d'Adèle. Puis là, je m'adresse au live à Annie. C'est pour ça que je vous regarde pas dans la caméra. Tu sais, les élèves là, de Chante-ta-voix, c'est normal d'être nerveux. Je vous dirais que même nous autres aussi, avant de faire ce live-là tantôt, on était, en tout cas, moi, j'étais encore super nerveux présentement. Je shake, là, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'étais habitué de faire plein de shows et tout ça. Pis, du live, c'était énervant. Ouais. C'est pas juste ça. Tu sais, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais leur faire? Qu'est-ce que je pourrais leur chanter? Tu sais, des tunes, j'en ai plein, j'en connais plein, mais je voulais des tunes qui voulaient dire de quoi pour moi puis pour vous autres. Je voulais pas faire n'importe quoi, tu sais. Puis je voulais que ça soit le fun, qu'on passe un beau moment ensemble. Fait que cette chanson-là, je l'ai faite avec la gang du Carrefour familial dans la première session. Elle veut dire beaucoup pour moi. J'aime beaucoup cette chanson-là de par ses paroles. Je vous l'offre. Ça s'appelle « When We Were Young ». You said when you left me.
l'entendre chez vous. Ah! Que d'émotion! Moi, ça me réémotive, ces affaires-là. C'est pas vous autres, tu sais. Je suis tellement... De ce temps-ci, on est toutes tellement un peu stressées. Puis là, ça fait sortir ça. Puis les filles, surtout, on est tellement émotives. T'sais, moi, je mets mes toasts le matin, puis je suis comme... Faut pas. On s'est rendu là? Il faut pas. On ouais. est rendu au bout où j'ai dit à Martin, « Hey, faut que tu ressortes ça. » Tu me sens imprimer paroles, par exemple, de tout ça? Non. T'as pas fait... Hey, ben, je sais pas par cœur. Un peu. Une stepette, hey boy. Savez-vous que j'en fais des stepettes de ce temps-ci? Oh. Parce qu'on essaye de... On essaye de se tenir en forme, moi pis les filles, à la maison. Fait que je force mes filles à faire du Zumba. Vera, je te jure, je fais du Zumba. Fait que je vais être rendue... Hey, merci beaucoup, Julien, pour les bits. Merci beaucoup. Je vais être rendue une pro du Zumba. Hey, bye, Simon. Merci beaucoup d'avoir été là. Alors? Ce sera pas long. Je vais juste te trouver les paroles. Celle-là, ben... C'est juste pour nous rappeler que, tu sais, dans le contexte où ce qu'on est présentement, avec le virus et tout ça, c'est beau de voir à quel point la planète se tient toute ensemble. Oui. Tu vois ce que je m'en vais avec ça? Hein? Écoute, t'es tellement subtil. OK, ça... Bon, la prochaine chanson, c'est une chanson que j'ai oui. faite avec parfait accord. Ben, c'est pas une toune de moi. C'est pour nous rappeler que le monde est petit. Le monde est petit. Puis, cette chanson-là, c'est une chanson de Nicolas Ciccone que j'aime beaucoup, que j'ai faite avec la gang de Parfait Accord il y a quoi, 3 sessions peut-être, à peu près? Ouais. Puis, vous savez, j'ai habité longtemps dans Hochelaga Maisonneuve. Puis, cette chanson-là, je l'avais faite un peu pour le quartier, pour les gens qui y vivent, qui est un beau petit monde. Puis là, ben, je pense que le monde est plus petit qu'il a jamais été. Je vais pas faire ma philosophe t'asseoir, c'est pas ça pendant tout, là. Sauf que le petit monde a... le monde est un petit monde actuellement. On doit se tenir. Puis ça s'appelle comme ça, le petit monde. Puis là, Martin m'a mis les paroles en minuscules. Ça se peut que je me trompe. C'est pas grave. Chantez avec moi si vous la connaissez. Chanson de Nicolas Ciccone et Martin à l'harmonica. Tiens, voilà. Tant qu'il l'avale... Ça se peut que ça soit drôle. Tant qu'il l'avale pas, on va être correct, parce que ça va être drôle. C'est... 3, 4... Le petit monde est un quartier où vivent les pauvres. Monde
être un vieil homme où tout se meurt bien c'est loin et où les jours sont tous perdus d'avance. Mais parfois, cœur ouvert, il se dresse dans la mer pour chanter ses rêves de romance. Parfois même, il devient fort, capable parfois de voir son place. Les pauvres n'ont pas de chance. Simon est un sentier entre une usine et un chantier. Marche à peur, misère et manque. Le petit monde est un voyou, les poings brisés, la clé au qui l'on a dérobé tout en. Parce que Rick, c'était drôle. Ça m'a permis de faire une joke dans une toune super, super triste. C'était ça. Qu'est-ce qu'on fait, Martin, là? Je sais pas. Là, Martin, tu vas chanter. Je suis un petit peu tanné. Ça vous tente-tu que Martin chante? C'est plate parce que tantôt, Simon, sur mon live, il disait hey, on veut un Titi qui chante, puis il est parti. Il est parti. Martin, t'as quelque chose dans la bouche. Tant qu'il l'a pas dans la gorge, on va être correct. Une patate bambou. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ça va bien, vous autres? Pour une fois, je l'effacerai pas, ce live-là. D'habitude, je fais des lives puis je les efface. Celui-là, je le fais pour vous. Ben, on le fait pour vous autres. J'avais dit que j'en ferais un. C'est pas un duo, Vera. Je vous spoil un petit peu ma nouvelle session de Parfait Accord. Oui! C'est juste que c'est une toune que j'aime bien. Puis, c'est toujours. Hein? C'est ça, c'est tellement un grand orateur, écoutez. Ceux qui sont déjà venus à mes shows de Parfait Accord savent très bien que l'animation, c'est mon fort. Ouais! Hey, je la connais pas celle-là. Fait que chanter, je vais faire ce que je peux. Puis je chanterai pas, sinon vous tapez des mains. Bon! Tout le monde va la reconnaître. Ben, peut-être pas tout le monde, mais la plupart. Moi, je la connais, c'est beau.
Nous sommes de guerre lasse, la tête basse, et lundi nous ramasse. Cherche l'équilibre, la zone est libre, le produit intérieur. C'est le grand écart du cœur. On pourrait se creuser un tunnel sous le champ de bataille. Il n'y aurait pas de rappel. Et on pourrait aussi faire le contraire. À la radio. J'ai changé l'aiguillage, les personnages, les serpents, les échelles. J'ai répandu la nouvelle. Tous tes battements de cils me dégrisent, le corps de tour de piste. On tournait la reprise. On pourrait se creuser un tunnel sous le champ de bataille. Il n'y aurait pas de rappel. On pourrait aussi faire le contraire. Fini le temporaire, s'aligner plus hier. Dernière toune, on leur fait-tu? Avez-vous une demande spéciale? Si vous avez une demande spéciale, on va la faire. Écrivez-en, puis c'est moi qui choisis. Parce que si on choisit, c'est qui décide. C'est mon live, c'est moi qui décide. Non, si vous avez une demande spéciale, on va vous la faire. J'attends parce que ça lag tout le temps un petit peu des lives. Je vais voir mon chat un peu, moi là aussi. On m'a averti que tu allais chanter, fait que je suis revenu. Simon est revenu. Salut Martin. Salut Justin. Martin, il parle pas tout seul. Hey Justin, j'ai spoilé une de nos tonnes de Parfait Accord. Mais désolé. Salut Gretel. Parce qu'il est sur Twitch. What's up? Oui, what's up? Oh shit, ça fait longtemps Bobby que je Bobby McGee, what's up? Hey, c'est trois accords, what's up, tu sais. La, Simon, Ré. Je pourrais faire ça. Ben, essayez de m'en rappeler, j'ai pas de feuille. Pamela. Ça prend une guitare de film. Thank you.
Hey, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ça. Justin veut que je fasse Saint-Laurent. Je vais chercher de l'eau et je reviens. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ça, WhatsApp, là, ma tante, elle écoutait tantôt. Je sais pas si elle l'écoute encore. Faut que je vous raconte ça. Je chantais ça quand j'avais genre 14 ans. Dans mon temps hippie, parce que j'en ai eu un, où ce que j'avais les grands cheveux ici, les petites lunettes rondes comme John Lennon, les cheveux de même, le chapeau comme elle, comme la chanteuse des Foreign and Blondes, puis la grande jupe, tu sais, grande jupe hippie, brune. C'était tellement beau. Avec mes cherry ducks. Ouais, je mettais ça quand j'étais ado. Puis ça, WhatsApp, ben, je chantais ça dans ce temps-là. Ouais. Attends, avec mes lunettes, elle me dansait. Hey, 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 hey. Oui. Fait que. Bon, la prochaine chanson. C'est une demande spéciale de qui? De Justin. De Justin. Que... Justin, là. Pas ton Justin parfait accord. Justin Gariepi, il est là. Ah, où ça? Là. Allô, Justin. Ça me manque. Parce que Justin, là, c'est un élève de parfait accord. Puis à chaque fois qu'il arrive à son cours, il met du soleil dans ma semaine parce qu'il dit. Oh Annie, allô Annie, t'es tellement magnifique. Juste ça. C'est comme, il était teux à l'os, comme ça se peut pas. Mais c'est... Toi, tu vas faire plaisir à plein de monde dans le live en disant ça. Ah oui, c'est un têteux, pour vrai. Il est têteux à l'os, mais un gentil têteux. Puis là, j'y donne des chips parce qu'il est têteux. Je fais ça, moi, je nourris les têteux aux chips. Les autres sont pas habitués sur le Twitch à Martin. Ils sont en live là aussi. Ils sont pas habitués à mes jokes, eux autres. Vous autres, oui, vous êtes immunisés à mes bonnes blagues. C'est les blagues du lundi soir! Ouais, puis là, la prochaine toune... c'est une toune que j'ai découvert... c'est n'importe les blagues quoi. Du lundi soir. Ce sont les blagues du lundi soir! OK, non, la prochaine toune, c'est une chanson qui est pas super connue. Mais le préféré de ma fille, c'est Justin Gariepi. Ouais, c'est le préféré à Jeannick. À Jeannick? Mais. Hey, je suis en train de cuire du dos. Moi. Ouais, moi aussi, le feu, il est chaud en ce moment. Le foyer est en train de nous cuire. Ça sent le bacon c'est, dans le oui, salon. Oui, tantôt, je pense que c'est Audrey qui avait dit ça, le beau setup en arrière et tout ça, mais. C'est chaud. Il fait chaud. C'est-tu Audrey? Je m'en souviens plus qui avait dit ça sur ton live, mais quelqu'un qui disait le beau setup. Tu sais, moi, j'ouvre le foyer, il fait genre quoi, 4 degrés dehors. C'est juste me penser fraîche, là. Je fais ma fraîche pète, montrer mon foyer. Là, juste le live d'asseoir, on m'avait coûté 20$ de gaz. En pandémie, comme si c'était le temps de dépenser de l'argent pour rien. OK. Bon, là, c'est vrai. La dernière tourne qu'on va faire à soir. Là, c'est vrai que j'arrête de parler, c'est ça. Comme trois fois, j'essaie de dire c'est quoi la tourne. C'est une tourne d'un chanteur québécois pas très connu. Je trouve ça le fun de chanter cette chanson-là, surtout maintenant qu'on habite à Verchères sur le bord du fleuve. La tourne s'appelle Le Saint-Laurent. Ah, c'est vraiment kitsch, Martin. Ben oui, mais c'est un chanteur. Tellement... Le chanteur s'appelle... Éperlan. Hein? Non. Éperlan, ouais. C'est une sorte de poisson que j'ai inventé une sorte de poisson. Non, il s'appelle Robert Détier. Détier? Détier. Hey, j'ai pêché un Robert Détier dans le Saint-Laurent. Il m'a donné 3 pouces. Ah, OK. J'ai pas cassé ma ligne. Mon ami, le cri du vent, qui tu subis,
que c'est beau. C'est une belle toune. Merci tout le monde d'avoir Merci tout le monde d'avoir été avec nous ce soir. Je veux vous dire un petit message avant de quitter. Tout finit par passer, dites-vous ça. Hein? C'est ça qu'il faut se dire. Tout passe. Ma mère disait souvent, laisse couler la rivière, puis c'est vrai. Ça va passer. C'est juste un moment bien, bien, bien plat, puis bien, bien long, puis bien, bien dur, et surtout très inquiétant. On est toujours inquiet par les choses qu'on ne connaît pas. C'est l'inconnu qui fait peur. Mais dites-vous que ça va aller. C'est vrai que ça va aller. Tout finit par passer. Fait que je vous dis une belle fin de soirée. Puis ceux qui chantent, ceux qui font de la musique, je m'adresse à mes amis musiciens. J'en ai plein des amis musiciens sur mon Facebook. Dans la vie, je connais beaucoup de monde qui font de la musique. Vous autres, là, mes amis chansonniers, mes amis chanteurs, faites-leur des vidéos, gens. Comme on fait là, c'est le fun. On regarde ça, puis on regarde autre chose que les nouvelles pendant ce temps-là. Les artistes, chanteurs, musiciens, on est important plus que jamais présentement. Pour les gens, on apporte de l'espoir, la musique ça fait rêver, la musique ça fait oublier les tracas. Mes amis musiciens, mes amis chanteurs, faites-leur des petits lives comme ça. Je sais que vous le faites déjà, continuez parce que c'est vraiment, ça fait chaud au cœur, ça donne de l'espoir aux gens. Fait que sur ce, je vous dis bonne soirée, on vous aime. Puis Starspy, il dit, ça va aller si vous restez chez vous. Ça va aller si vous restez chez vous. Restez à la maison. Je sais que c'est difficile. Je sais que vous avez... Souvent, les gens ont peur de manquer de quelque chose. Les épiceries vont rester ouvertes. Inquiétez-vous pas avec ça. Restez chez vous. Occupez-vous des gens que vous aimez. Restez à la maison. C'est le plus important. Puis ça va passer plus vite. Hein? Après ça, on va être content. On va profiter un peu de l'été. Je vous dis bye-bye. Bonne soirée. On vous aime. Faites attention à vous. Bye bye. Ouais. Puis bye à tout le monde sur Twitch. Bye tout le monde sur Twitch. Bye bye. Je vous retrouve peut-être dans pas long. Je vais voir si je vais faire un live à faire. Merci beaucoup Hubert pour les bits. Hey, merci beaucoup Hubert pour les bits. Tantôt, il y a Julien aussi qui en a donné. Bye bye, Gretel. Merci beaucoup d'avoir été là. Longtemps qu'on ne s'est pas vu. Fait que tantôt. Ils t'ont-tu parlé? Faut-tu leur répondre de quelque chose? Là, ben, ils ont dit plein d'affaires. Hein? Attends, parce que moi, je leur ai pas parlé. Je vais au moins regarder qu'est-ce qu'ils ont écrit. Ben, ils ont pas plein d'affaires. Ils ont écrit tantôt au début, Julien, on vous entend bien. Ça fait trop longtemps. On veut un Titi qui chante. Ça vous le tue. Ah, ben Simon. Oui. Hubert qui disait bravo, Julien qui dit bravo, bravissime! C'est donc bien fin! Hubert qui dit Ultra, c'est un bon signe, tu entends tout. Ouais, c'est moi sans doute, c'est bon signe. Julien qui donnait des bits. Simon qui disait que ça en allait, mais finalement c'était pas vrai. Ensuite, Justin qui arrive. Salut Martin, Yannick, comment vous allez? On va bien, on reste chez nous. Puis là, Hubert qui dit il y a bien des blagues auxquelles je ne suis pas immunisé. Surtout les miennes, hein, Hubert? Ah, oh, mais les siennes sont pires que les miennes, là. C'est ça. Puis, regarde, bravo aux artistes. Merci beaucoup encore, Hubert, pour les bits. Puis, merci encore, Julien. Gretel qui marque. C'est un très beau moment. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Mais ça fait plaisir, Gretel. Bon, ben merci beaucoup, tout le monde sur Twitch. Puis, Martin va sûrement venir vous voir à soir. Hein. Ouais, ben je vais venir vous voir dans pas long. Je vais juste changer le setup et tout ça. Puis, j'arrive dans pas long pour continuer Dark Souls. Fait que, bye, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. À tantôt. Juste, oups, c'est pas le bon. Bye, bon.